Hello famille, comment vous allez? C'est votre Hériteur, votre humble serviteur. J'espère que tout le monde va bien ici. Moi, je vais super bien. On est presque au week-end, hein? Voilà, donc j'espère que vous avez préparé quelque chose pour vous décompresser un peu. Voilà, pour vous relaxer un peu, parce que je sais que cette semaine de travail a été très lourde pour vous. Ok, cette vidéo, elle est destinée à Vétulolas. Beaucoup me diront pourquoi je veux parler de Vétulolas. Cet artiste qui a souvent envoyé des pics à Didier Arafat, à Desbordeaux et consorts. Je vais vous dire pourquoi, mais avant de parler de lui, il faut qu'on parle des sujets d'actualité. Voilà, quand on parle des sujets d'actualité, moi je connais que deux sujets qui me taraudent l'esprit. Ces derniers jours, c'est l'album de Didier Arafat, ce 28 décembre, et le concert à l'Iwa Golf Club, ce 29 décembre là. Moi je pense que ces deux événements historiques, hein, voilà, ces deux événements historiques qui doivent et vont rester dans les annales. Donc, j'aime toutes ces personnes-là qui sont en train de vraiment, vraiment, vraiment faire l'effort de réserver les tickets comme des types, hein, qui seront disponibles ce 3 décembre. Voilà, donc mieux vaut profiter dès maintenant. On dira qu'il vous reste que 3 jours maintenant. Voilà, donc bougez-vous. Le lien est toujours en description. Le lien pour la réservation des tickets est toujours en description. Tu vas, tu cliques sur le lien, tu suis, on va dire, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Excusez-moi, je suis en train de chercher le mot. C'est-à-dire tu suis la méthode quoi, tu suis la méthode sur le site, comment faire pour réserver les tickets. Tu réserves ton ticket, puis tu es couché chez toi à la maison, on vient te livrer. On vient te livrer. Ça n'a jamais été fait. Voilà, on ne parle pas de quelque chose où on a donné à Jumia ou bien non. C'est une innovation. Voilà, donc franchement, je compte vraiment sur tous les fans de Didier Arafat. Je compte aussi sur tous les fans des Desbordeaux Likoufa. Je compte aussi sur tous les fans des autres artistes coupés décalés. Je compte sur tous les fans du coupé décalé. Franchement, vous pouvez ne pas aimer ma personne, hein, mais souvent regarder au-delà de ma personne et puis écouter le fond de mon message pour cet événement-là. Voilà, j'ai dit et puis je ne me gêne pas de vous dire encore que je n'ai pas de problème avec Ariel Chiné et Safara Le Bianc. Toute ma prière, c'est qu'ils réussissent leur concert ce 1er janvier parce que j'ai vraiment pas cet esprit-là ou bien ce désir de voir boycotter ce concert. Non, 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 non. Je prie qu'ils réussissent leur concert, donc que toute la Chine et toute la Légion se bouge, voilà, il se bouge. Et puis je peux rassurer les fans de Didier Arafat, votre artiste a un énorme talent. Voilà, c'est comme je dis dans, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est une légende vivante. Voilà, c'est un grand homme. Il se réinvente toujours. Voilà, c'est juste qu'il traverse une petite période qu'on va combattre comme on peut. Voilà, parce que Didier Arafat, c'est quelqu'un à encourager. Et ne nous attardons pas sur ses erreurs, hein? Ne nous attendons pas sur ses erreurs. Il a fait maintes efforts pour s'améliorer. Il faut juste l'encourager. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi. N'oubliez pas aussi. On me dit que de faire des vidéos pour parler des 10 heures et des 4 bleus. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait même 3 vidéos dessus. J'ai 435 vidéos, les amis. Voilà. C'est pas parce que vous me demandez ça aujourd'hui que je vais me presser encore pour aller faire. Voilà. Vous n'avez qu'à aller sur ma chaîne et puis fouiller la vidéo où vous entendez 10 heures, 4 bleus, vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir toutes les méthodes. Moi j'ai déjà fait ça depuis. C'est maintenant qu'il y a certains qui sont en train de faire ça. Moi j'ai fait ça depuis longtemps. Donc moi tout ce que je peux faire, même si tu as une 4 bleue, tu peux demander à quelqu'un, à ton voisin, à ton ami, à ton frère, comment on fait pour acheter quelque chose sur Internet. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est rien de compliqué. Et puis abonnez-vous massivement au compte 10 heures de Didier Arafat, en tout cas, ayez vos 4 bleus pour que ce 28 décembre-là, on fasse au moins peut-être 50 000 ventes. C'est possible, c'est pas impossible, c'est juste une question de volonté et de bonne foi. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de ces deux événements-là. Mais vraiment, rendez-vous pour ce 29 décembre à l'Iwa Golf Club. Je compte vraiment sur tous les fans de Didier Arafat, sur tous les fans du coupé décalé. Voilà. Si, étant Vétulolas, pourquoi Vétulolas? Les amis, franchement, le cas Vétulolas me fait vraiment, vraiment mal. Hein. Ça me fait super mal parce que le mec peut avoir son caractère, il peut être souvent fou. Mais vous venez d'écouter son direct là, vous avez vu un peu ce qu'il a dit, c'est ça m'a beaucoup touché en fait, ça m'a beaucoup touché, c'est pourquoi je fais cette vidéo là pour parler de lui. Je ne sais pas si son cas c'est juste de la méchanceté de ses collègues artistes vis-à-vis de lui ou bien c'est une malédiction parce que j'arrive pas à comprendre. Un mec qui est pétri de talent comme ça, un mec qui est super petit de talent comme ça, il a son dernier opus, Conseil des Sages, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Je peux dire par exemple son erreur dans ce son là, c'est qu'il n'a pas voulu accompagner ça de concept, donc c'est un peu difficile que ça prenne. Mais n'oubliez pas, j'ai aussi mis encore, j'ai encore remis le lien de son son. Je vous demande pardon, ceux qui m'apprécient vraiment, partez cliquer sur le lien, téléchargez le son et écoutez-le. Vétulolas est super fort, il est super talentueux, il est trop fort les amis. Mais je sais pas pourquoi il n'arrive pas à mousser. Les Ariel Chiné qui ont commencé hier,
ont déjà un concert grand public, allez, actif. Ça ferait de même. Mais toi, tu chantes depuis. Tu n'as pas encore pu réaliser ça. À peine si tu fais de gros cachets. Moi, ça me fait mal. C'est pas de la moquerie, hein. C'est juste un pincement de cœur, quoi. Et vous aussi, ces collègues artistes, ils vous demandent rien d'autre. Ils vous demandent pas de lui donner de l'argent. Ils vous demandent simplement de partager son lien, d'inviter vos abonnés à aller cliquer sur son lien, écouter sa musique aussi. C'est mine de rien. Imaginez que cette méchanceté que vous faites avec vos fans se détournent de vous. Vous n'êtes rien, les amis. Je ne sais même pas pourquoi l'être humain, dans sa nature, n'a pas pour coutume d'aider volontairement, d'aider naturellement. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, il faut changer ça. Il faut vraiment, vraiment changer ça. Parce que moi, quand je regarde ce genre de situation-là, ça me fait vraiment, vraiment mal, quoi. Ça me fait vraiment, vraiment mal. Oh, je pense que Vitu Lola mérite mieux que ça. Les gars, c'est vrai qu'on l'insulte souvent, on l'attache, hein, mais Vitu Lola, ça a trop apporté dans la musique ivoirienne. Il a tout fait. Il a bossé avec notre DJ Arafat. Il bosse toujours avec Debordo Likoufa. Il a bossé avec Serge Mino. Il a bossé avec Baby Philippe. Il a bossé avec des milliers d'artistes coupés, décalés. C'est. Moi, je dis que si par exemple, côté musique, ça marche pas, s'il y a une grande structure qui peut te prendre comme directeur artistique, elle aurait tout gagné. Parce que tu connais la musique même. Tu connais les codes de la musique. Tu es fort. Les amis. Aidons Vétu Lolas, comme il a dit dans son direct. Aidons Vétu Lolas. Il mérite mieux que ce qu'il est actuellement. Il mérite mieux. C'est quelqu'un qui chante comme ça, avec beaucoup de mélodies. Non, Vétu Lolas, il est trop fort, les amis. Je ne sais même pas pourquoi il y a cette méchanceté-là au sein des artistes, quoi. Ils n'aiment pas s'aider, chacun dans son coin. Homme Dieu l'a béni un peu, il veut profiter lui seul, il ne veut pas aider son ami. Bon, en tout cas, quand moi j'ai commencé ma carrière musicale, là, franchement, hein, si vous m'avez aidé, c'est ça. Mais franchement, j'attendrai rien de vous. Rien de vous. Voilà, il y a des personnes qui m'apprécient et il y a Dieu qui est là. Je pense que je ferai ce travail avec ces deux personnes-là, quoi. Voilà. Ceux qui m'apprécient, vite et puis Dieu. Parce que si je veux compter vraiment sur vous, tant que j'ai pas eu un nom, tant que je ne suis pas une référence, vous pouvez jamais parler de moi, vous pouvez jamais partager mon lien. C'est le cas de Vétu Lolas. Oh, lui-même, c'est une référence dans la musique ivoirienne ici. Il a chanté avant vous. Il connaît la musique que vous. Il est fort. Il est super talentueux. Mais il ne mousse pas, lui, ça ne vous gêne pas. Quand vous l'appelez, vous venez chanter votre chanson, il ne discute pas, il vient chanter. Je ne sais pas ce que vous lui donnez, mais quel que soit l'argent que vous lui donnez, il mérite mieux que ça. L'argent, ça finit, mais le succès peut te permettre de t'entretenir, à durer sur du long terme, à être constant dans l'avenir. Le mec, il fait un ticket, il dit, aidez-moi, pardonnez, aidez-moi. Aidez-moi. Vous, c'est quoi les artistes? Vous connaissez pratiquement vous tous, parce qu'il vous a aidé pratiquement vous tous. Mais nul n'est prêt à partager sa vidéo. Nul n'est prêt à partager son lien. Nul n'est prêt à faire sa promotion. Ça vous coûte quoi, il dit, ah, mais tu dois faire son dernier son. Franchement, c'est bon, les amis. Conseil, ça, c'est vraiment dangereux. Puis moi, je valide le son, parce que le son est vraiment bon. C'est plus bon que beaucoup de sons actuellement. C'est juste qu'il n'a pas eu la chance. Il n'a pas encore cette chance-là pour que son son explose. Rien, les amis. Partez écouter le direct des choses. Parce que moi, je viens d'écouter son direct. Ça m'a pincé le cœur. Ça m'a vraiment, 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 vraiment touché. Rien, les amis. Faisons quelque chose pour Vitu Lolas. Boostons-le aussi. Parce que normalement, Vitu Lolas devait avoir les fans de tous les artistes coupés décalés. Parce qu'il a aidé tous les artistes coupés décalés. Vous comprenez un peu? Mettons un peu de cœur. Arrêtons les histoires de il a fait ça, il a fait ça. Nous, on n'est pas parfait, les amis. Donc, arrêtons de toujours. Revenir sur le passé. On s'est clashé un peu, ça avance, ça continue. Son lien en description. Partez cliquer dessus et télécharger le son et écouter. Surtout écouter ça dans un home cinéma. C'est dans de bonnes baffes. Vous allez voir que Vitu Lolas, il est vraiment fort. Il est vraiment, vraiment fort. Donc les amis, je compte sur vous. Hein. C'était juste une exhortation pour notre frère et grand frère Vitu Lolas, artiste, musicien de Côte d'Ivoire, arrangeur même, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il est pétri de talent. Il faut qu'on l'aide. Il est en train de prendre de l'âge et puis il n'a pas encore le succès escompté à la mesure de son talent. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nos artistes. Il faut qu'on l'aide aussi. Il mérite ça aussi. Son conseil de sage, c'est trop bon. Peut-être dans ces fêtes-là, si Dieu lui fait la grâce, et puis vous êtes dans une boîte, dans un coin, puis on met son son, ça veut dire, ah, mais le gars, là, il chante super bien. Hein? Il chante vraiment super bien. Il ne sait même pas pourquoi. Il y a des majors qui se contentent sur le déjà vu. Il y a des talents. T'as juste besoin d'encadrement. T'as juste besoin de soutien. C'est des talents comme Vitu Lolas là. Ils peuvent apporter beaucoup. Parce que lui peut chanter de plusieurs manières. Tous les styles musicaux, il fait ça joli, joli. Il est trop fort. Il est trop fort.
Il y a une partie de sa chanson, il dit pas non. Pour satisfaire sa libido, il va te comment, chaman, il veut mon copain. Faut pas lui donner, ça avant de marier le bébé. Oh, mais tu le laisses, franchement, ça me fait trop mal au cœur, quoi. Il faut qu'on l'aide, il faut qu'on se bouge vite, tu le laisses, parce qu'il mérite ça, les amis. Il mérite ça. Donc, partagez cette vidéo-là et demandez à tous vos amis d'aller soutenir Vitulolas. Voilà, donc force à toi, Gando. On est ensemble. Ciao, ciao, c'était Erika pour toi.